de broyeuse de canne à sucre pour ajouter à sa longue liste de création de machines dans le domaine agricole. Le Centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique CRIT tient son rang dans le concert des entreprises de création technologique au Togo. Cette broyeuse qui facilite la transformation aux acteurs de la filière canne à sucre est présentée à Cagrif TV par son directeur général Edouard Akakolado, ingénieur électromécanicien fondateur de CRIT. Nous avons la presse de canne à sucre. Comme je le disais, c'est un besoin qu'un client a exprimé que nous avons mis en place. Donc ça peut servir d'activité, de source de revenus pour quelqu'un. Il suffit quand il démaille, il met la canne à sucre, sa presse, on extrait le jus dans un gobelet et la personne peut mettre du glaçon et tout, donner au client, le client boit le jus naturel et il passe. Donc, il peut faire ses activités avec. Il y a aussi également, on peut des étudiants qui le pressent pour avoir le jus, voilà, la mélasse là, de canne à sucre qui rentre dans la fabrication des fertilisants, par exemple, des fertilisants bio, des intrants, des composts même. Aujourd'hui, une dizaine de machines est à mettre à l'actif du centre pendant 6 ans d'intenses travaux de recherche et de création dans le domaine agricole. Dans le secteur agricole, nous avons mis beaucoup de machines en place. Et on a mis la première machine, c'est le Merlinox, c'est la machine qui permet de piler les noix de palme pour extraire l'huile rouge ou pour avoir obtenu le jus pour la sauce. Il y a le Compalmi, c'est la machine qui permet de concasser les noix palmistes pour avoir les amandes qui seront broyées plus tard pour faire l'huile palmiste. Il y a le Tomato Mixeur, c'est la machine qui permet d'écraser les condiments sans dépôt de limaille. Il ne fait pas assez de bruit, sans oxydation aussi. Il y avait une machine pour sacler manuelle qu'on avait aussi mis en place pour aider les paysans à pouvoir sacler leurs champs. Il y a aussi des presses, il y a des broyeuses de canne à sucre, comme les presses de canne à sucre. Il y a des égrenées de maïs que nous avons mis. Il y a des rampeuses de manioc, par exemple, que nous avons mis en place. Il y a aussi dans le domaine agricole, bon, pas mal de machines. Le centre CRIT, à travers ce projet, veut d'une part aider les producteurs à avoir un accès facile aux machines et de l'autre améliorer l'économie locale. En dehors de la présentation de la broyeuse, le directeur a fait une mise à jour de l'égreneuse de maïs et de concasseuse de noix de palme. C'est un concasseur de noix palmiste pour concasser les noix palmistes. Il est capable de concasser 3 kg plutôt en 5 minutes de noix palmistes. C'est un modèle de maison, si on peut le dire. Ce n'est pas encore un modèle industriel, mais c'est équipé d'un moteur électrique. Donc, dès qu'on met les noix par l'entonnoir, on démarre la machine, ça concasse, on règle. Puis par l'ouverture, par l'entonnoir, à petit coup, ça tombe dans la machine, ça concasse. Et on a ce mélange de noix, oui, palmiste, d'amandes et de coque. Donc après, naturellement, on doit les séparer, on doit les sélectionner, voilà, manuellement, pour pouvoir récupérer les amandes. Et voilà, les amandes qui seront transformées plus tard en huile palmiste dans une autre machine. Ici, on est en face d'une égreneuse de maïs qui a la capacité de donner 150 à 200 kg par heure de maïs. Comme vous le voyez, c'est fait avec un moteur électrique, un moteur à essence directement. Voilà. Ça, c'est pas fait à l'électricité, mais c'est un moteur à essence pour permettre le dynamisme, le déplacement, la mobilité, amener le gaz dans les champs, etc. Chez moi, ici, une machine constitue une entreprise, constitue une unité de production, une entreprise. Voilà. Donc, demain, si on a les moyens, les financements, on met une entreprise en place pour la fabrication des égrenées de Togo, pour que les égrenées soient quand même réparées sur les familles du territoire. Faciliter la vie des paysans. Dans un village à Bobo là-bas, voilà, les gens l'utilisent très tranquillement. Ça leur sert très bien et ils sont satisfaits. Au centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique,
Les stagiaires et collaborateurs témoignent leur gratitude. Monsieur Elado, c'est un grand frère pour moi. Moi, je fais de la studio à l'AC. En l'enseignant, j'ai appris beaucoup de choses. Je remercie le DG, le directeur général, monsieur Edouard Akapo, de m'avoir accueilli et de m'avoir fourni les équipements et les connaissances nécessaires pour la fabrication de toutes ces machines. Je suis en stage de 6 semaines dans le centre de CRIT. Dans ce centre, j'ai beaucoup appris pour la fabrication des machines, surtout pour la fabrication de machines de presse. Je suis en stage de 6 semaines dans le centre de CRIT. Dans ce centre, j'ai beaucoup appris pour la fabrication des machines. Surtout pour la fabrication de machines de presse à canne à sucre. Nous devons juste évoluer. En voulant évoluer, nous avons besoin des coups de main. Aujourd'hui, je suis étudiant. Donc demain, moi, si je veux ouvrir pour la fabrication des grosses machines industrielles. Et pourquoi pas le rendre tellement international pour fournir à la Chine ou bien à l'Europe. J'aimerais motiver tous les jeunes à se donner à leur travail, aussi à poursuivre leurs rêves, aussi de venir se former chez mon frère, parce qu'il a des idées. Le travail est certes fascinant, toutefois, il est confronté à beaucoup de difficultés. Les difficultés, c'est toujours sur le plan financier, parce que on a envie de faire beaucoup de recherches en matière de machines, mais il nous faut quand même les fonds de démarrage. Nous, on est ouvert à tout investisseur ou à tout partenaire quand même, quel que soit technique, financier, pour la poursuite, le développement de nos recherches, etc. Rappelons que le Centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique intervient aussi dans le domaine de l'environnement avec beaucoup de machines.